Et boum, les petits amis, oh que ça fait plaisir de pouvoir démarrer un épisode dans le calme. Pas d'agression, rien, tout va bien, on navigue dans l'espace. Oh, j'en étais toujours à ma prise d'XP. Enfin, pas forcément à ma prise d'XP, mais plutôt à la destruction de vaisseaux. Alors... on va se focus dessus aujourd'hui. Ça c'est quoi? Ça c'est une mission, ok. Ah oui, trouver Bonifac, sauf que ça on s'en fout. Est-ce qu'il y a moyen de ne pas avoir de mission en fait? Genre, j'ai aucune mission, voilà, comme ça. Zéro mission, parfait, voilà, je vais pas me faire déranger. Alors, faut trouver des méchants. Faut trouver des vaisseaux méchants. Faut en trouver pas beaucoup. Après, je pense que c'est pas mal d'aller à Liberastra, parce que j'ai l'impression que ça se fight pas mal à chaque fois qu'il y a du Liberastra. Grisit, Rel, c'est des zones où j'y suis jamais allé. Kodos, traîne. Stélis, Hardpoint. Hardpoint, tiens, c'est marrant ça. Tour de recherche abandonnée. Ok, allons-y. Là, du coup, il va falloir sauter de planète en planète pour essayer de trouver des méchants. Ça va être un épisode passionnant, je le sens. Extrêmement passionnant. Qui me rappelle beaucoup, du coup, Alone in the Dark de 2008, où fallait farmer tout Central Park pour pouvoir récupérer je sais plus quoi, sinon on pouvait pas avancer. Ouais, attendons un peu. Pas d'ennemis, ok. Zéro ennemi, c'est cool, ça commence bien. Ok, allons ici. Au moins je récupère de l'XP en voyage. Cargo de Star Parcel à vaisseau inconnu. J'ai un paquet urgent, besoin d'un petit coup de main. Vous me recevez? Putain, cette touche. Pourquoi ils ont mis le fait de... Vas-y, ça commence à me casser les couilles. Raccourci. Vaisseau en vol. Changer point de vue. Action de vaisseau. Ben c'est fou, y a aucun moyen de faire de roulis gauche-droite, quoi. Amplificateur de puissance. Attends, mais pour se lever du siège, ils l'ont pas mis? On peut pas le changer, ça? Mode furtif, c'est juste s'accroupir. Ok, y a rien. Les pouvoirs rapides sont sur K à l'autre bout du clavier. Bon, bah ok, on peut pas changer la touche. Que c'est moi. On est en face, pourquoi tu me parles sur le talkie? On est en face l'un de l'autre. Thank you.
pied une fois. Star Parcel possède un tas de ces monstres vieillissants de Deimos. Aussi solides que des tanks, mais plus de première jeunesse. Ça va me prendre des heures pour... Ok, tu veux quoi? Impossible, désolé. La politique, si vous mettez ta gueule. J'ai un paquet avec la mention. Ils retiendront mon salaire. Oh non, mais vas-y, 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 vas-y. Ok, ah, j'ai pas le temps. Eh bien. Bon, y'a personne. Allez, on se barre. Laramie, hop. Putain, il propose de livrer un paquet au premier mec venu, quoi. En plus, on a un vaisseau. Oh oui, enfin. Il est où? Il est là, le bâtard. Mais pourquoi ça s'est déverrouillé? C'est le moment de bosser dans le vaisseau, la fête des trucs. C'est incroyable comme combat, c'est fou. Hein. Cible perdue. Ah bah oui, là il est bien perdu là. Ok, bon, il y en avait un. Et j'en suis où là sur la quête? Putain, il y a ça aussi. 25, encore 5. Et on sera qu'au niveau B. Pourquoi l'astromoteur se barre à chaque fois? Ok, là il reste un petit Bismarck. C'est dommage parce qu'il y a une bonne ambiance, enfin je veux dire, il y a une musique et tout ça qui t'ambiance un petit peu, mais après, c'est vide. C'est qui ça? J'ai envie de buter. J'ai envie de buter le moindre vaisseau maintenant. Non, on va pas les contacter, parce que sinon ils vont nous dire des choses. Ils vont nous parler. Et on n'a pas envie. Nava, ah, y'a quoi là-dessus? Encore un autre vaisseau. Ah, c'est mamie, on s'en fout de mamie. Ta gueule. Quoi? J'ai pas confiance, t'es une mamie. Aucune confiance dans les mamies. Ok. Oui, il y en a 3. Ça, c'est bien. Allez, balance tous les missiles, là. On peut jamais tirer. Ça y est, je me fais défoncer. Retournez aux étoiles.
et 2-1. Il y a besoin de réparation immédiate. Astromoteur. Oui, bah réparé. Il est désactivé. Ok. Si j'y arrive. Oh merde. Réparer tout. Merde, je suis bloqué. Qu'est-ce qui se passe là? Je suis bloqué. Au cas où vous vous demandiez. Ok, on contourne l'astéroïde. On chope celui-là. La cible a perdu ses moteurs. Très bien. Je vois plus rien là, je sais pas ce qui se passe. Oh merde. C'était quoi cette image là? Où y'a rien? Je suis chiant d'être 3 là. Je sais jamais si les missiles c'est plus efficace contre le bouclier ou contre le blindage. La logique voudrait que ce soit contre le blindage, pas le bouclier. Là c'est inversé. Ah merde, mais. Non, mais c'est inversé. Ça n'a aucun sens. Oh merde. Ça, ils sont 3, je suis baisé. Pas un mode furtif en vaisseau? Si j'appuie sur contrôle? Si je m'accroupis en vaisseau? Faut les buter en tournant autour de ce putain d'astéroïde. C'est bizarre là, c'est le. Merde, ça se tire n'importe où. Bordel, ça tire jamais. Maintenant c'est moi qui suis par derrière.
de nul ces aliens. C'est lent. C'est mou. Putain, les missiles ça fait zéro dégâts. Après c'est vrai que j'ai mis qu'un point dessus. C'est fou. Après plus de 50 heures de jeu. Ok, bon au moins on a tué 3 ennemis. Destination suivante, on perd pas de temps. Je suis où là? Faut encore en tuer des milliards. Personne ici. Classe marchand. Vas-y, on va le contacter. Il a des trucs. J'ai un marchandise qui cherche un acquéreur. Zéro. Quoi, c'est tout? Nul. Ok, allons ici. Ah, normalement, si je sais bien compter, il m'en manque que deux pour passer le niveau. Sauvegarde d'ailleurs. Et je vais voir si je vais pas réduire un peu les moteurs. Booster un peu tout ça là. Histoire qu'en combat je suis plus efficace. Je suis au maximum efficace. Après je serai plus lent mais c'est pas grave. On va tester. D'ailleurs, faire une sauvegarde. Bon, y a, ici, il n'y a rien. Très bien. Je comprends votre scepticisme. Il faut qu'on se serre les coudes dans l'espace. Bon voyage à vous. Ok. Merde. Il faut juste parce que j'ai fait un misclick. Oh putain, hey, j'ai juste fait un misclick quoi, c'est bon quoi, ça y est, elle veut divorcer. Putain. Y a pas de... C'est bon, on est toujours copains. Notre politique est d'assister les vaisseaux non hostiles. Ouais, au revoir. Au revoir. Voilà, on va pas se risquer de faire un misclick. La Galbanque, ok. Pas d'ennemis. Ah mais c'est vrai que je peux faire comme ça en fait. Plutôt que de passer par le menu. J'ai oublié ça.
pouvez faire ça comme ça, comme dans Star Citizen. Pourquoi c'est flou là? Pourquoi il y a des trucs flous? Qu'est-ce qui se passe? Des trucs bizarres le jeu. Faut voir. Ok, y a rien. Bah, j'ai vu, il y avait deux trucs, il y avait deux petits points là. C'est assez bizarre. Oh, c'est mamie, vas-y, on s'en fout de mamie, mais vite à vie, bordel! Je viens d'où d'ailleurs? Putain, elle a rien à foutre de sa vie, la petite mamie là! Je prends de l'XP, comme ça, pouf. Que dalle. Ok, bon, on dégage. Bon, au moins c'est plus rapide de pouvoir voyager comme ça là. Mais après, je pense que c'est seulement dans le même système. Ah ben voilà! Ah, ça fait plaisir! Oula, puis ça fait les dégâts là! Dégagé, putain, j'ai pas eu le temps de les buter. Ils ont tous dégagé. C'est qui ça? Ok, on va voir sa thune à lui. J'ai cru qu'on allait y rester. Ta gueule. Tout le monde n'arrête pas de parler de moi. Ça ne doit pas être une. Ok, ta gueule! Je veux commercer! Oh là là! Merde, mais j'ai encore tiré! Parce qu'il quitte le dialogue automatiquement, alors que t'es obligé de spammer pour les faire avancer. Vous tiendrez pas longtemps. Ok, bon, au moins eux ils sont revenus. Faut que je cible. Faut que je le bourre pour moi en buter un. Ok. Est-ce que je pense choper un deuxième? Spatiard, ça va, ça. Merde, faut que je le bute, lui. Par contre, je suis super lent maintenant. Vas-y, on va réduire un peu les boucliers. Dégage.
Ok. Ça y est, on a passé le niveau. Putain, c'est pas trop tôt. Ok, s'il se barre pas. Ok, le jeu est un peu buggé. Ça, c'est bien. Merde. Mmh. Il vous faut quelque chose? Quelque chose, non, je suis un débile. Pour moi c'est cool, c'est fluide. C'est pas pareil, non ça va. Shot. Avant qu'il ait le temps de dire ouf. Et lui c'est qui? C'est le marchand? Ok, lui on s'en fout. Ça c'est la planète. C'est bon, il y a encore un truc qui tourne. Il y a un radiateur. Willy, je traîne. Je suis pas allé encore. Bon, au moins le niveau est passé. Ah mais d'ailleurs, avant que j'en bute d'autres, il faut que je... Merde, je suis con. Il faut que je passe le niveau. Oh, c'est bien ça. Il y a des ennemis. Ah mais ça y est, c'est bon. Oh mais c'est bon en fait. Tu vas morfler. Astromoteur HS. On va le verrouiller d'abord. On a éliminé le bouclier. Astromoteur est mort. Allez. Allez. La bonne nouvelle. Oh putain, ils ont plus de vie eux. Il y en a un qui a plus de vie. Il a fait tomber du stuff. Et lui aussi. Très bien. Donc maintenant... Putain, je pensais pas... En fait, ça a été assez rapide. Une petite demi-heure. Ok, je pensais pas... Je pensais qu'il fallait que je fasse encore un niveau. Mais non, là c'est bon. Donc ça c'est bien. Allons tout de suite à Alpha du Centaure. Retournons à la ville. C'est Jamison, il me semble. Et qui le retrouve? New Atlantis, zone d'atterrissage. Je voudrais... Je pense que c'est ça, là. Et ça, comme ça, je vais enfin pouvoir changer de vaisseau. Avoir un vaisseau plus. Je vous ai dit que j'avais eu un bureau près du sommet du Thames. Les temps sont durs, hein.
Oui. Eh bien. Vous allez encore me faire rougir. Oui, 10 lettres et 3 mots simples, je vous aime, voilà. Ah, mon cœur fond quand vous me dites ce genre de choses. Partez pas trop longtemps. Alors oui, est-ce que... Parce que j'ai pas encore pu tester le DLSS dans la ville. Hé, hey, que puis-je faire pour vous? Alors attends, comment je fais? Attends mon cher, je voudrais... Voilà. Équipage. Comment on fait? Et comment on fait pour changer de vaisseau? Inspectez votre vaisseau à la recherche. Bien sûr, je vous en prie. Le narval, définir comme vaisseau principal, voilà. Je peux améliorer? Bon, ça a l'air bon là. Hein. On va le tester de base comme ça. Oh, qu'il est gros. Oh, ça fait plaisir. Putain, ça fait plaisir. Enfin, après plus de 50 heures de jeu, nouveau vaisseau. Et vas-y, est-ce qu'ils ont des trucs à fourguer là? Je voudrais des kits de soins. Ah non, mais ça, c'est vendre. Moi, je veux acheter d'abord. Soins, pièces de vaisseau. Mais je veux acheter. Ah, mais ils ont rien à vendre. Ok. Au moins. Ok. Tout ça, c'est bon. Ok. Ah, et vendre depuis le vaisseau. Je m'en branle de tout ça, je m'en branle. Aucune utilité de l'or, normalement ça doit valoir de l'or. Ok, j'ai 5 pièces de vaisseau. Putain, j'en avais plus. Ok, baladons-nous un petit peu en ville pour voir un petit peu les performances du jeu en ville. Ah, il me semblait avoir vu qu'ils avaient amélioré les yeux des PNJ. C'est-à-dire que maintenant, ils ne nous regardent plus... Enfin, si, ils nous regardent encore un petit peu. Mais ça a l'air un poil mieux. Ben, ils nous regardent toujours, en fait. Scanner de sécurité, renifleur de produits chimiques. L'Union coloniale ne laisse rien passer. Si, ils nous regardent toujours. Ils ont toujours des tronches de cake avec leur chapeau. Mais 4K 60 FPS, ça tourne bien, hein. Ça tourne mieux qu'avant. Y a pas à chier. Hein. J'ai pas de mini lag. Voyons voir dans l'autre partie de la ville. Qu'est-ce qu'ils nous ont emmerdé avec le FSR? Ça sert à rien. AMD, ça sert à rien. Ça n'a jamais marché. Jamais. À chaque fois que j'ai eu une carte AMD, à chaque fois ça déconnait. À chaque fois ça marchait pas.
Ok, là ça a l'air un petit peu plus vénère déjà. Je sens qu'il y a une petite perte de FPS. Je sens que je suis pas en 60 là. Il y a du 45 voire 30. Hein. Mais bon, après faut dire que je suis en qualité ultra DLAA. Voyons voir si je mets en performance ultra. On va voir la différence. C'est pareil. Ok, donc ça change rien. Ça. Si je fais équilibré, admettons, c'est pareil. Mais normalement le DLAA, pardon, est mieux. C'est beaucoup mieux. En termes d'optimisation. Les récits de la légendaire Mantis circulent depuis des siècles et des siècles. Mantis serait une justicière. Bon, est-ce que j'ai un truc à faire ici ou pas du tout? Faites attention à vous. Je pense que j'ai rien à faire ici, donc en fait il vaut mieux se barrer. Donc revenons. Citoyenne, mais je veux pas pointer à citoyenne, je veux pointer. Petit résidentiel. C'est la loge. Ah voilà, New Atlantis. Et on se barre. On prend notre beau vaisseau et on se barre. Putain, il est gros, il est gigantesque. Alors, est-ce qu'on... Faisons la quête. On va voir si c'est la fin du jeu. Tiens, voyons voir, inspectons un petit peu l'intérieur. Oula, ça a l'air vénère, ouais, il y a l'air d'y avoir beaucoup d'objets. Pareil, j'ai une perte d'FPS là. Attends, mais du coup, ils ont tous été attribués sur ce vaisseau maintenant? Équipage. Oui, Narwhal. Andreja. Elle peut aller sur le Narwhal aussi. Putain, on va avoir tellement de monde. Allez, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de place. Ok. Voilà, le vaisseau le plus puissant du jeu. Enfin, j'en sais rien, mais quand je vois les stats, on n'est pas loin du plus puissant. Hein. C'est presque tout au max. Mission. Révélation. Hop. Ok. Ok. C'est vrai, les petits stickers de chats et de petits chiens. Tu es camouflé, Sarah. Putain, tu es où, Sarah? Je te vois pas. Elle a complètement disparu. Où est notre lit d'ailleurs? Hop, allez, Sarah. Super. Me voilà plus fatiguée qu'en allant me coucher. Ah bah c'est génial, tiens, on fait ça sur le siège là, qui a l'air dégueulasse. Attends, mais il y a une porte là. Une porte sur le côté. Ah putain, on peut faire des trucs sur le côté comme ça. Ah mais du coup on peut tout mettre à l'intérieur. Ah je savais pas ça. Enfin en tout cas j'y avais pas pensé. Mais du coup à quoi servent les avant-postes? Ça. Pour farmer les ressources, bien sûr, mais... putain, mais là, il y a tout, là!
je peux améliorer des trucs. Non. 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 Que dalle. Que dalle. Que dalle. C'est génial. On a un établi où on peut rien faire. Après, j'ai tout vendu. Ok. C'est vrai que ça m'avait beaucoup intéressé jusque là, donc du coup c'est peut-être pour ça. Putain, mais on peut encore monter ? Ah non. Hop, kit d'urgence, c'est pour moi, voilà, c'est moi, y'a que moi qui bosse. Oh là là, mais ça va sur ce côté-là ? Putain ! Vous avez besoin de quelque chose ? Un sac de frappe. Une fourchette. Putain, le vaisseau, c'est... La perte de FPS dans le vaisseau, c'est encore plus lourd que New Atlantis. Ok. Ok. Wow, que c'est grand, mais que c'est grand, il y a encore des trucs là. Il est gigantesque ce putain de vaisseau. Ah mais c'est le poste de pilotage, apparemment, non? Ok, il y a des trucs pour faire semblant de travailler, il y a des ordinateurs. Là il y a le robot, qui fout rien. Et là c'est le cockpit. Oh, il y a trois sièges. Siège d'équipage. Oh c'est confortable. Sauf que nous on peut rien faire parce que voilà. Il y a le backpack qui se barre. Oh l'arbilaire, je sais même plus à quoi ça sert. Ajouter artefact. Ok. Bon ben on s'assoit. Vous avez compris que c'était un catégoriseur. Putain, ça fait plaisir de changer de poste de pilotage. La gueule du bordel. Putain, même lui il lag. En fait, c'est tout le vaisseau qui fait laguer le jeu, qui fait laguer l'ensemble du jeu. J'ai atteint. Ah putain, alors, enfin. Oh, ça me fait plaisir d'avoir enfin un nouveau vaisseau. Et en plus, extrêmement puissant, putain, tous les trucs qu'on peut y foutre là. Moteur. Hop. Bouclier. Hop. Ah, mais attends, mais j'ai plus de 3 points. Ah, c'est quoi cette arnaque? Je croyais qu'il avait plus de points que ça. Est-ce que c'est des trucs qu'on doit débloquer avec les compétences? Comment ça s'appelle ça d'ailleurs? Ah, c'est l'énergie générée. 36. C'est ça là. Le réacteur Pinch. Est-ce qu'il y a moyen de booster ça avec des compétences? Déjà ça peut améliorer les boucliers. En fait, il y a tout ça qu'il faudrait booster quoi. Les missiles, ok, les missiles.
Ok. Vaisseau amélioré. Ok. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose là. Alors c'est vrai que là j'ai rien boosté moi. C'est pour ça que je peux rien faire. Astrophysique. Un scanner de vaisseau est capable de relever. Ok. Aneutronique, ok. Bon, voyageons, barrons-nous. La mission. Finissons le jeu. Parce que moi, il y a Fallout 4, j'ai toujours pas fini, donc... Je préférais finir Fallout 4 que celui-là. Incompréhensible. Pas besoin de nous le sous-titrer si c'est incompréhensible. Assez parlé. Finissons-en. Quoi, pardon? Façon loup solitaire. Un bon combat dans les yeux, que bon. Ok. Ah, on rigole moins déjà. Avec mon gros narwal. C'est déverrouillé lui. Mais tire! Il veut pas tirer! Les lasers tirent pas. Et on se barre. Pourquoi mes lasers ne tirent pas? Je comprends pas. Ils m'ont détruit mes armes laser ou quoi? Ah mais ça tire tout seul! Mon vaisseau est en train de tirer tout seul, j'ai l'impression, non? Ça c'est trop bien. Merde, ils sont... Putain. Ça tire tout seul mais ça fait zéro dégâts. Lui là. Mais laser, mouse 1, ça marche pas. Ah, impossible de tirer manuellement avec les tourelles. Ah, je suis bloqué. Putain, mais c'est fou comment il encaisse. Mais j'aurais jamais pu réussir le combat sans ça. Allez, tire! Fais quelque chose, tire, il se passe rien là! Ils sont super résistants!
Oh, je vais crever. Oh, je suis foutu. Je suis complètement foutu. Non, mais c'est n'importe quoi ce quoi. C'est n'importe quoi. C'est du bourrage. C'est du bourrinage. J'avoue, je suis pas digne, ouais. Merde, mais du coup, j'avais pas compris qu'en fait, il y a des tourelles automatiques. Mais j'ai l'impression qu'elles marchent pas, qu'elles font zéro dégâts. Allez, je tire. C'est parlé. Alors, comme ça, on coupe la discussion. Allez, feu, là. Mais ça tire pas. C'est Marus 2. Ok, faut que je me focus sur un. On va les faire un par un d'abord. Ils sont super costauds, putain, c'est pas possible. Et ça dégage. Et de 1. Qu'est-ce qu'il est ? Là, ça tire tout seul. Les lasers tirent tout seul. Donc, j'ai peut-être buté l'autre aussi sans le vouloir. Et c'était impossible de réussir ce combat sans le Narvalo. Ok, en fait, je pourrais booster à mort. Notre astromoteur est lasers. Fonctionnel. Moteur, on s'en fout. Pour avoir la puissance de fight la plus poussée possible. Ah, même ça là. Bah, même si je me traîne, je m'en branle. S'il encaisse tellement. À l'arrière, je peux même faire ça. Voilà. Et comme ça, puissance de feu maximale. Allez, temple enfoui. On les a tous butés. Fin du jeu, on a tué le boss. Site d'atterrissage verrouillé. Amenez-nous là-bas. Oui, madame.
C'est exactement le genre d'endroit où il ne faut pas établir d'avant-poste. Trouver l'artefact. C'est bien parce qu'ils m'ont mis le marqueur, donc je sais où il faut chercher. C'est loin. Non, c'est pas très loin. Oh, mais il y a un vaisseau. Alors après, peut-être que ça peut être pour le prochain épisode, ça. Parce qu'on est déjà à 55 minutes. Bon, au moins, on a pas mal avancé. J'ai le narvalo. Le vaisseau est trop puissant. Il est indestructible. Je pourrais me faire toute la flotte écarlate avec... Il faudra que j'essaye, ça. De détruire la flotte écarlate juste avec le narval. Je pense qu'il y a moyen. Donc la sauvegarde, les amis, on se donne rendez-vous au prochain coup pour la suite des épopées. Et on se rapproche, j'espère, je pense, nous espérons tous, on touche du bois, de la fin de ce jeu pour passer à autre chose dans nos vies. En tout cas, surtout moi. Les bisous, bye bye.